Bon, il veut bien de nos voix, mais il veut pas de nos gueules, quoi, voilà. On n'est pas en situation d'avoir besoin de rompre. On est dans l'anecdotique, mais qui peut avoir, à un moment donné, le besoin d'une réaction. C'est ce qu'on fait, c'est tout. D'abord, avant de partir, il faut quand même constater qu'on est arrivé. Ce qui veut dire qu'on est venu dans un esprit de démocratie de la parole, pour écouter, échanger, prendre ce qui était bien, rejeter ce qui était mal, ou en tout cas, le discuter. Et puis, Robert Ménard, et c'est sa phrase qui est en cause, c'est pas forcément l'homme dans sa totalité, a cru bon de dire qu'il ne serait pas ou qu'il n'était pas le marchepied du Front National. Alors, c'est une phrase dont il aurait pu faire l'économie. D'abord, il oublie un peu qu'on a été son marchepied. Il oublie qu'il a fait roi, même si le roi est un maire. Et ensuite, c'est une manière quand même tout à fait désobligeante pour nous, qui étions là en amis. Alors, bon, je ne dirais pas comme Marion que c'est une phrase historique, hein, je dirais que c'est une maladresse. C'est désobligeant, ça n'a rien à voir avec quelques pressions qu'on aurait pu subir, ça n'a rien à voir avec le programme économique, ça a à voir simplement avec ce qu'on pourrait appeler la politesse de l'accueil. Quel besoin de dire, s'il n'est pas le marchepied, qu'il n'est pas le marchepied, alors qu'il nous invite, alors que quand même il a profité de notre soutien aux élections municipales. Bon, il veut bien de nos voix, mais il veut pas de nos gueules, quoi, voilà. Vous savez... Le contexte, l'emportement de la parole, le sentiment de son importance, tout cela joue, hein, on est de faibles humains. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de lui, mais on n'avait pas besoin de sa réflexion, voilà. Je venais pas ici pour que M. Ménard se transforme en marchepied. Je l'ai jamais pris pour un marchepied, malgré tout le respect que j'ai pour les marchepieds. Mais je vois pas la nécessité qu'il avait de se présenter comme un homme suffisamment important pour être le piédestal du marchepied. Il y a des choses qu'on n'accepte pas et on le dit. Je crois qu'on a au moins le mérite de la franchise. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est parti mais on est venu. On peut ramener cela à une maladresse verbale dont il peut du reste apporter, sur laquelle il peut apporter des rectifications quand il voudra.